Je viens de voir un truc absolument grandiose. J'espère que je peux le capturer. Oh, c'est un truc, j'avais jamais vu ça encore. C'est énorme! Énorme. Enfin, c'est qu'un monstre, hein, mais bon. Est-ce qu'il est encore là? Oh, oh non, il n'y est plus! Oh, oh zut. C'était un gros, une grosse tortue. Bon, toujours est-il, il faut que je me balade toujours avec des sous-viales sur moi. C'est pas possible sinon. On rate des choses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 26e épisode d'MMC. Alors j'ai pas retrouvé le gros machin noir et violet, mais par contre, je suis attaqué par les singes péteurs. Donc voilà, ils empuantissent l'atmosphère, on voit très nettement. Et ils nous laissent des poupes, c'est-à-dire des merdes en fait. Et du cacao, hein, parce que ça se ressemble. Voilà. Formidable. Tomomicon. Eh oui, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit peu de Tomcraft. Ah oui, mais il n'y en a pas la recette, je suis bête. Il faut faire un... Comment ça s'appelle? Un bookshelf. Bookshelf. Shelf? Je pensais qu'on avait mis un mod qui donnait toutes les recettes de ce type-là, mais enfin, visiblement. C'était un doux rêve. Il me faut également une petite baguette. On va faire la plus petite baguette. Alors ce qui va être plus compliqué, c'est qu'on n'est plus sur Agarian. C'est ça, c'est comme ça? Ouais. Oh, je me souviens par cœur sans même regarder. Oh, je fais des progrès. Sur Agarian, c'était en mode simplifié, Tomcraft. Mais ça a permis quand même de décortiquer un peu le biniou. Zut, comment ça s'appelle ça? Cap. Cap. Non. Je l'ai jeté? Je parle et voilà, je sais plus ce que je fais. Le gars, il n'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Voilà. Et il faut un stick. Un stick, on met au milieu? Qu'est-ce qu'on met au milieu? J'en souviens plus. Si, c'est un stick. Bah, il faut bien faire le manche de la baguette. Et ça. Et ça. Ça nous fait une Iron Capped Wooden Hand. J'espère que c'est bien ça. Ouais! Nous avons un Tomomicon! Bon, bah, c'est bien ça! On a déjà deux choses. On a des knowledge fragments par les abeilles. Il va falloir que je me remette toutes mes abeilles en route. Ce que je voudrais, c'est le truc analyseur là. Il n'a pas l'air d'en parler. Comment il s'appelle? Je sais qu'il a un nom. Ça, c'est toutes les wands. Ça, c'est le basique alchimical machin. Ah, ça. Du verre et des shards. Ok, et de l'or de chaque côté. Alors, gold. Pas de problème. Shard. On va prendre celle qu'on a le plus pour l'instant. Voilà. Et glace. Tadam! Tomo! Et avec ça, normalement, on peut analyser des tas de choses. Ça. Ouais, on va commencer par de la dirt. De la dirt simple. Est-ce que j'en ai sur moi? Bon, je vais faire toutes les analyses de base. Bon, je vais couper à chaque fois, comme ça. On va aller super vite. Ok. Il faut de la stone, donc on va descendre dans... On avait une cave en bas de l'escalier là, une petite grotte qu'on avait commencé. Voilà, je vais descendre. Youpou! Hop là. Ça doit s'analyser. Ouais. Allez, je continue. On va bien trouver plein de trucs. Je crois que j'ai déjà trouvé les éléments de base. Hein. J'ai eu l'ignis, je me demandais comment j'allais faire. J'étais prêt à analyser de la netherrack ou un truc comme ça. Et en fait, une torche qui était dans la grotte m'a tout donné. Bah, ce que j'ai analysé, c'est entre... On les voit. Par contre, pour... hors d'eau, il n'y a rien. Pourquoi je l'ai déjà? Bizarre. À quoi? J'en ai 18. Alors, à quoi Nordo? C'est bizarre qu'il me donne pas... À quoi c'est là? Donc... Ah, zut. Je l'ai rangé. Shard. À quoi un Ordo? Ordo, j'ai pas. Mais à quoi j'ai... Ordo.
Terra l'essence. Il y a de l'or d'eau et pourtant il connaît. Oh, c'est intéressant ça. Est-ce qu'on... Eh Q. Il faut peut-être que je garde ça sur moi quand même. Non. Il manque un truc pour qu'il le voie. Ah, oh, restons là. Ça non plus, c'est bizarre. Bon. Ça. Ouais. Et alors la boule, on doit trouver aussi quelque chose. Gagné. Sur Ragarian, avant d'avoir fait ça, j'étais tout bloqué. Et je suis tout pourtant. Non, on fera plus tard, alors, pas maintenant. Cool. Ah, ça, je savais bien que c'était important. Et la lave. Ah, ça, c'est bien. Le verre, c'est pas mal. Donc, du coup, peut-être que maintenant... Ah, parce que si je me souviens bien, il y a du vitreux là-dedans. Mais... J'ai pas d'aimant. Non, il manque encore autre chose. Lava, c'est fait. Je continue. Après avoir analysé un bol vide, on a le vacuos. Et normalement, après... Ah, je savais bien. Oula, ça en fait en plus. Ouh, très bien. Bon, ça me dit que j'ai besoin de scribing tool and paper to get this research note. Donc, c'est pas tout de collecter des aspects. Il faut quand même pouvoir combiner et commencer les recherches. Donc on va fabriquer ça. Une fiale, c'est pas sorcier. Fiale. Une vide. Oh, choc. Choc. Ouais. Ok. Et scribing to. Bing. Scribing tool. Alors celui-là, il est enchanté carrément. Il est infusé. Oh, Atomic Tinkerer. Bon, bah, pas ça qu'on veut, de toute façon, c'est ça. Donc il faut ça et il faut du papier. Dans son inventaire. Et touc. Et voilà. On a gainé une. Alors maintenant, il faut faire la table. Ah bah oui, parce que c'est bien d'avoir des research notes, mais on peut rien en faire. On va faire Mumuse un petit peu. Alors, table. Il en faut au moins 3 parce qu'il y a la table à 2. Elle est où cette table? Elle est là. Tadam! Tout! 1, 2, 3. Maintenant, où c'est qu'on va s'installer? 1, 2, 3. Elle craignait de montrer quoi? Comme cette partie-là est cachée, j'ai un petit peu avancé la déco. Enfin, la déco. Oui, les tours ici pour voir comment ça tombait. Parce qu'ici, j'aime. Dans le coin ici, c'est un peu bizarre devant les fermes. Parce qu'en fait, on est ici. On n'a pas la place. C'est pas comme les autres parties. Ça ne peut pas faire une entrée comme ça toute droite, puisque la pièce est plus petite. Voilà, la pièce des invocations est plus petite que la salle de Tom Craft. Enfin, elle tombe pas au même niveau. Donc j'avais envie de faire ici un escalier qui descendrait. Donc en fait, on aurait deux choses. On aurait ce mur-là. Enfin, une partie du moins. Parce que tout ça, on va le fermer aussi. Pour y mettre tous nos engins. Donc notre table, bah, je pense qu'on peut carrément la mettre là. En même temps, je me mettrais bien. Et on a ce mur-là aussi qui va être fermé. Même raison. Tadam! De chaque côté, en fait. Donc, en fait, on peut se mettre... Là, on n'est pas trop loin de la cuisine. En même temps, je partirai... Il y a un câble qui va partir pour alimenter tous les aspects Tomcraft, puisqu'on a le mode qui permet de stocker les aspects dans Apply. Donc, on a un câble qui va partir. Moi je dis qu'on peut se mettre là, on mettra au-dessus un terminal apply pour être tranquille. Donc je ferais bien ça. Là c'est plus comme ça. Bon, je sais plus. Quoi, la baguette, elle est déjà terminée? Non, elle est dedans. Rends-moi ma baguette.
Flûte, je crois que je ne sais plus comment on fait la table de recherche. À mon avis, c'est pas ça du tout. Bon, j'étais pas loin, c'est bien deux tables. Non, pas ça. Deux tables normales, craftées, là, en bois, là. Je les aime bien, ces petites tables, d'ailleurs. On pourrait les utiliser en déco. Mais il faut cliquer dessus avec ça. Oh, et non pas avec la baguette. Voilà. Et maintenant, ah ben, on a plein de trucs. Ouais. Donc, je me disais, si on met la recherche note là-dedans, je pense qu'on va trouver. Ouais. Ok, super. Bah oui, mais pour aller d'un point à un autre en n'ayant qu'un seul point. Bon, c'est peut-être moi qui comprends pas bien le truc. Mais je vois pas bien ce qu'on peut mettre. Quelque chose qui a de l'ordo dedans. Oh là, c'est compliqué. Et ouais. Bon, malgré tous mes efforts, je vois que deux choses qui ont de l'ordo, c'est le potentia. Et j'ai un peu de mal pour être franc. Et le vitreux, avec ça, avec du terra. Donc du coup, j'y capte rien en fait. Alors, le potentia. Ah, puis ça arrête pas de se mettre là. Remarque, c'est bien, ça m'a fait des trucs nouveaux. À force de se mélanger. Si je prends le potentia. Et qu'on part par là. On peut mettre un truc avec du feu dedans. Ouais, alors un truc avec du feu dedans. Oh, bah il y a du géloum avec du feu dedans. Ou du luxe. Luxe, c'est peut-être bien. Hein? Alors, le luxe. Le luxe. Il est bizarre. Il n'a pas l'air de se connecter. Donc on a l'autre, on a le Géloum. Non plus. Ah bon, ça a l'air bien. Ça a pas l'air bien. Flûte? Pourquoi? Ouais. Je suis pas très doué à ce petit jeu. Donc là, ça peut pas être un truc simple. Non plus. Pourquoi je peux pas le prendre et le mettre là? Il doit le trouver tout seul. Mais il manque un truc alors. Ouais, ça m'énerve. Bon, allez, il me faut encore un peu de luxe. Ah, il trouve pas la glowstone. Flûte, j'étais persuadé qu'il allait le faire. Il n'y a plus de luxe, j'ai tout gâché. Du vert, du vert, du vert. Encore du vert. Du vert de couleurs différentes. Il doit aimer ça. Non, il aime pas parce qu'il est plat. Il aime pas le verre plat, monsieur. Et moi, je ne mets que du verre plat partout. De la glace. Ouais? Ah, du géloum. Ouais! Faut que je fasse beaucoup plus d'aspects. Je crois avoir capté un peu mieux. Ah bah ça, c'est du verre noir. Mais ça, j'ai déjà analysé. Non, zut. Ici, il est toujours noir. Ouais. Le mouton, non. Mais ta laine. Elle est où, ta laine? Non plus. Bon, j'ai tué le mouton pour rien. Allons bon. Tiens, ça c'est violet, ça va être bon ça. Non, c'est déjà fait. Bon, ok. Les meumeux, non plus. Yes, mon premier node. Si le monsieur m'embête pas trop. Ah, un node avec beaucoup d'eau, mais avec que de l'eau. Bon. Est-ce que je le marque? Parce que j'en ai pas vu beaucoup des nodes, hein. C'est le premier que je vois seulement. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Ah, le village. Non. Ouh, il fait peur, lui. Non, tout ça, c'est fait. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de... Tiens, les portes. Les fences. Ouais, pas mal. Il n'y a pas de porte dans ce village. Si. Pardon, messieurs. D'ailleurs, je vais le marquer, ce village, parce que ça peut servir. What? Waypoint. New. Tadam. Village. Save.
Bon, je suis dans un magical biome et il y a des silverwood. Alors je crois que je vais les prendre pour essayer d'avoir le maximum de saplines. Malheureusement, on peut pas utiliser le grafteur, hein, ça serait trop simple. Svein, merci. Tout. Ouais. Bon, magical wood, à mon avis, ça va servir. À mon avis, il faut prendre ces trucs-là, mais du coup, je suis pas sûr qu'il faut pas les prendre avec ça. Dans le doute, je préfère les prendre avec ça. Et on peut peut-être garder un peu de... Ouais, non, ça s'est déjà analysé. Hop! Allez, venez. Et il me faut des saplines à tout prix. On a une chance sur je sais pas combien d'avoir... Ah, j'en ai déjà une. D'obtenir des nœuds. Et voilà. Ah, bah il y en a un là. Voilà, il est parfait, lui. Ah, bien, de l'or d'eau et du je sais pas quoi. Parfait. Allez, donne-moi tes saplines, donne-moi tes saplines. Ma première madabine. Bon, bah ça c'est très bien. Parce qu'avec ça, on va faire... Ah, oh, ça, je ne l'ai pas analysé. J'en avais déjà trouvé une que j'avais ramenée. Oh! Il y a du poison. Par contre, je vais plus avoir de place là-dedans. Ah oui, flûte. On va acheter des trucs. Ça, il n'y a pas besoin. Ça, j'en ai plein. Ça, j'en ai plein. On va garder quand même le magical wood. Ça. Ça, je peux en avoir d'autres. Champignons, je crois que j'en ai d'autres. Ça, on s'en fout un peu. C'est pas mal. Bon, je continue. Oh, bah il est joli celui-là, il est tout vert. Ah bah oui, on trouve plein de terra dedans parce qu'il était tout vert. Il est beau, il avait quand même pas mal, 40, 56. Peut-être que je les note et que je revienne les chercher quand j'aurai la techno pour le faire. Parfois les bugs ont du bon. Oh là! C'est quoi ce machin? Ah génial! Il est sorti du portail. Oui, de toute façon on peut pas analyser tout ça. Et ça, je peux analyser le portail lui-même. Non, j'ai pas la connaissance encore. Et le feu. Non, le feu, il sait pas l'analyser. Il le voit pas en fait. Dommage, ça aurait pu faire de l'ignis. Ou du luxe. Et le pétrole? Non, je connais rien du pétrole. C'est pas ce que c'est que le pétrole. And you, little boy. Toujours pas. Les animaux, j'arrive pas. Il manque un truc. Mais je sais pas quoi. Les fleurs, ça y est. Mais alors pas celles de Botania. Mais les autres, j'arrive à les analyser. Par contre, peut-être les colorants. Tiens, ça maintenant. Non, ça c'est pareil. Il manque un truc encore. Je vais le trouver, je vais le trouver. Bon, il y a clairement un truc que je capte pas là. J'arrive à mettre des trucs en concordance, mais ça me donne rien. Hein. Puis de toute façon, je vois pas à partir d'une inconnue comment. Enfin, avec deux inconnues plutôt, comment on peut trouver la résolution d'une équation. Alors, discriminant, discriminant réduit. Et maintenant. Oh, il veut bien maintenant. J'ai la tête de loup. J'ai les neuneux. Et j'ai... Ouais, super. Ça, c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Ici, il n'y a plus rien. Non, je veux pas dormir. Ça ne sert à rien de dormir dans ce monde. Quand même, il manque encore des trucs. Ça, je suis sûr que ça doit faire quelque chose. Ouais. C'est magique. Youhou! Et hop là, où je suis. Tiens, des fleurs rouges. Des poppies. Et les poppies, il veut pas les poppies. Est-ce qu'il voudrait son colorant, par exemple? Ça sera rigolo. Q. Hop. Non plus. Bon, bah j'ai compris pourquoi j'y comprends rien. Parce que celle-là, elle a pas de petit truc orange. Celle-là, c'en est une autre. Elle a un truc orange. Et il y a deux inconnus. C'est pour ça qu'on peut pas aller d'un point à un autre avec deux inconnus. Bon, on est d'accord. Alors, je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus en premier. Alors que de là, c'est facile.
Ah, c'est facile. Dans quoi il y a du feu? Il y a du feu dans faut aller du feu. Il y a du feu dans le potentia. Il y a du feu dans le gelum. Mais il faut aller au précotant dans l'air, ça n'ira pas. Il faut aller à ça, à la précantation là. Hein, c'est déjà rien. Potentia. Ah oui, c'est un truc où il y a trois machins. Donc on rajoute un truc. Potentia. Avec un ordo au milieu. Non, oui, ça doit le faire. Alors, allons-y. Donc ça veut dire, si je prends ça, ça, et je mets un ordo au milieu. Hey! J'ai tout compris! Je vais pouvoir faire toutes mes recherches. Hein? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah bah ça y est, je dois l'avoir maintenant. C'était quoi que je cherchais? Je sais même plus. Ça? Non? Ça non plus? C'était là. Ah, j'ai voulu faire ça par exemple, juste pour voir. Wand of fossi. Wand des fossi plutôt. Ouais, on peut faire des fossi de feu avec ça, avec une baguette. On peut lancer des boules de feu. Ouais, super. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à continuer. Bon, ça va me prendre toute la nuit cette affaire-là. Oh, je vais en faire le maximum, hein, de toute façon. Moi, je voudrais arriver au moment où on peut choper des aspects. Ah, ça serait pas mal par exemple. Ouais, mais elle a pas de... Si, elle a un petit point bleu. Je sais pas pourquoi celle-là... Ah, là, il manque une chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver tout ça. À mon avis, c'est ça le problème. Le problème, c'est que tant qu'il y a des points d'interrogation, c'est pas bon. Eh oui. Ah, ok, d'accord, ok. Bon bah il n'y a pas un hein, tortillé du hein, pour hein, il faut faire des recherches. Maintenant je suis parti pour analyser la totalité de mon tri. Donc j'en suis. Hein, ça a changé? Ah, tout a changé. Non, voilà, j'en étais à Landstone. Voilà. Et je continue. Je fais tout mon inventaire. Hein. À mon avis, quand je vais avoir fini, j'aurai tout. Alors les roses, maintenant je dois pouvoir, c'était du hibou en fait. Et j'ai eu le hibou, le premier, bah, je m'en souviens plus avec quoi. J'ai oublié. Mais alors, visiblement, après, ça débloque tous les colorants. Donc ça doit débloquer aussi toutes les clés de couleurs. Parce que j'avais que la hardened clé et la clé normale que j'arrivais à analyser. Maintenant, tout est débloqué. Ah, du vert normal. Ça va me faire un vitreux en plus. Ouais. Bon bah maintenant que j'ai compris, c'est vachement mieux. Et en plus je vais avoir plein de knowledge fragment par les abeilles. Tiens, du light blue. Encore un hibou. Ouh, 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 ouh. Bon évidemment quand il n'y a plus de points d'interrogation, bah c'est plus facile. Même si c'est quand même vachement tordu, hein, parce qu'on en engage plein en faisant des essais à noix. C'est quand même pas si facile. Bon, je continue. Bah là, je peux tout enlever, hein, parce que maintenant, il n'y a plus rien qui va. Mais du coup, on sait qu'il fallait aller de l'ordo au hibou et du ordo au cerveau. Voilà. Et une fois qu'on a relié, ou comme ça, peu importe. Et du coup, c'est plus facile. Alors, il faut regarder dans le bouquin, etc. etc. Oh là là, dans quoi il y a de l'ordo. Faut aller vers le hibou. Alors le hibou, on regarde ce que c'est. C'est de l'air et du spiritus. Donc il y aura sûrement de l'air à côté du hibou. De l'air et du feu. Ça va faire du luxe ou un truc comme ça. Bon, faut faire quelques essais et puis on y arrive. Donc de l'air, on a dit. Parce que spiritus c'est trop peu. Hein. De l'air et du feu. Voilà.
Luxe. Très bien. Bon, alors celui-là, j'ai cherché un bon moment, puis j'ai retrouvé qu'à remettre le cerveau entre les deux pour passer. Il est mignon celui-là. Et celui-là, je le voulais absolument, puisque c'est la Deconstruction Table. Ouais, alors ça c'est bien. Ça c'est très très bien, parce que grâce à ça, vin perdition. Alors déjà, il faut une baguette. Ma baguette standard, là, combien elle contient? On sait pas. On sait pas du tout. Et pour la remplir, il me faut des nodes et les nodes, ils sont pas là. Il y a peut-être 20 quand même. Faut que je regarde un peu les baguettes. Ce qu'on peut faire, on peut pas faire grand-chose. Ah, la baguette de base. Il nous dit pas combien ça contient. Bon ben, il va falloir que je vois ça. Ok, an arcane workbench and will cause this to construct. Oui, l'arcane workbench, ça doit être ça. Ouais, tout juste. Bon, bah, faut que je continue. Parce que j'aurais bien aimé, justement. On va essayer quand même. Peut-être qu'avec ma baguette, ça suffit. J'ai pas de lunettes, mais si je me débrouille bien, je peux peut-être trouver un node et remplir ma petite baguette. Qui est peut-être pas vidé d'ailleurs, j'ai juste cliqué pour transformer le Tomonomicon. Allez, on va essayer. Donc, on va essayer avec ça, on verra bien. Un tomomètre, une hache, une pickaxe et une table. Insuffisant de vis, évidemment, c'est bien sûr. Capacité 25, ça doit être 5 de chaque ou un truc comme ça. Ou alors elle n'est pas remplie à la base. Bon, bah faut faire d'autres recherches en attendant. Celle où on peut faire des trucs un peu plus balèzes. Non, ça c'est des focus. C'est peut-être ça qu'il faut trouver plutôt. Great Wood Hand. C'est laquelle? Great Wood. Ok. Bon, bah c'est parti pour analyser le. C'était quoi déjà? Précancio, à outils. Alors, arbre. Ah oui. Ça doit être terra ou je sais pas quoi. Bon, je fais ça hors caméra parce que je mets un temps inimaginable pour faire ça. Bon, je vais essayer de planter quelques arbres magiques. Alors, évidemment, j'ai pas encore la super houe Anthomium qui fait tout pousser. Je pense qu'en faisant des choses comme ça, au bout d'un moment, ça va bien pousser tout seul. Ça serait vraiment pas de chance que ça tombe sur moi, que les trucs ils veuillent pas pousser du tout, parce que je vais pas faire le tour du monde pour recharger ma pauvre petite baguette. Je peux rien faire, même pas un stick en great wood. Donc il n'y a pas. Voilà, il faut que ça pousse. Je peux en mettre plein partout ici. Tout ça, je vais l'enlever. C'était pour faire mes arbres. Là, il va pas pousser parce qu'il y a des trucs au-dessus. D'ailleurs, c'est pas très joli le séquoia quand même, hein. C'est un peu bizarre. Hein. On dirait qu'il a mis son pyjama un peu. Bon. On va se faire un autre là. Hop. Je fais un truc de 5 par 5 pour avoir des chimères éliminifs qui poussent autour. C'est quand on fait pousser les gris tout de sapline là. En général, on a des chimili mili mili. Alors flûte, il y en a un de poussé, il n'y a même pas de. Y a même pas de nœud dedans. Oh, c'est pas drôle. Ah, si, il y en a peut-être un. Mais non, ce que je vois, c'est les waypoints. J'ai eu le temps de faire plein de recherches grâce à un truc que j'ai trouvé qui s'appelle le Helper. Research Helper. Un petit logiciel qui s'installe, qui s'ouvre dans une espèce de fenêtre de navigateur aussi, ça existe, c'est presque la même chose. Et du coup, ça c'est plus rapide que d'aller chercher dans le Tomomicon chaque truc qui a deux aspects pour voir avec lequel ça peut s'accorder. On fait plus vite des brochettes, quoi. Ils proposent tous les trucs qui peuvent s'enchaîner. Donc ça va plus vite pour faire la recherche. J'ai bien avancé, mais par contre ça pousse pas, quoi. Donc je peux pas avancer. Je peux pas charger ma baguette, je vais pas faire 10 km pour trouver un node à chaque fois.
J'en ai eu deux. Ok, bah c'est pas si mal. Alors, je pourrais faire les Google of Revealing, mais je voudrais les faire dans le casque. Je sais pas si on peut les mettre. Non, je sais pas si. Faut que je regarde. À nouveau. Il y a que celui-là qui pousse. Non, tout à l'heure c'était celui-là. Mais alors, ça a eu toutes les heures, il y en a un qui pousse, quoi. J'ai déjà trouvé tout ça. C'était facile, en fait. Ça, je sais pas ce que c'est pour dupliquer des trucs. Ça, j'ai bien avancé. Je voulais me faire une baguette plus importante. Mais là, il manque quelque chose, là. Là, c'est écrit en Klingon, donc... il doit manquer quelque chose. Je peux déjà faire les Gritwood. Là, il manque encore quelque chose. Et ça, c'est complètement détaché, donc on peut pas rechercher non plus. Ça, c'est fait. Alors, artifice. Ça, je peux me les faire. Mais ce que j'aurais voulu... Arcane Ear. Arcane Stone, ok. Ce que j'aurais voulu... Ah, voilà, l'infusion, il est là, ok. Qu'est-ce que je... Je sais même plus ce que je veux dire. Oui, c'est mettre... intégrer ça dans l'armure. Dans ma boune d'armure. Est-ce que c'est faisable? Peut-être. Ah, il y a Tomic aussi. Il y a un bouquin à faire. Il faut faire un deuxième Tomomicon avec un scribing tool et du papier. Ok. Bah, pourquoi pas? Je vais faire ça. 1, 2, 3 bouquins. Voilà. Hop, 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 hop. On va quand même utiliser cette baguette. Je crois que même si elle n'est pas chargée... Ouais, pas de problème. Alors, 3 feuilles de paplard. Et on a dit quoi? Oh, j'ai déjà oublié, dis donc. Ah, un scribing tool. Je l'ai fait, en plus. Alors, un scribing tool. 3 feuilles de papier. Et un tonomomomomi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 m
Ouais, tout à fait normal comme grâce, elle est violette, quoi, c'est tout. Bon, j'ai quand même eu des arbres et des nœuds, mais alors ils sont rachitiques, hein. Pour faire 20 perdition avec ça, ça va être compliqué, quoi. Puis j'ai peur de les sucer jusqu'à la moelle. Après, il va rien rester. Et j'ai absolument pas cette chose. Il me faut... C'était 20 perdition qui fait 20. Et on peut en avoir 25 et j'en ai 7. Super! Bon, bah, je crois que ça va être la patience. Pour l'instant, de toute façon, je ne peux rien faire pour les ramener. En plus, il faut de la puissance un petit peu pour ramener des notes, pour les faire fusionner éventuellement. Donc, le mieux, c'est que ça pousse et que ça me fasse des nœuds. Y a que ça. Bon, et ben on se retrouve au prochain épisode pour avancer un peu. J'aurais probablement fini les recherches d'ici là, parce que j'ai pas beaucoup le temps de jouer en ce moment, mais j'ai quand même le temps de faire quelques petits trucs. J'ai avancé un peu les constructions. J'ai arrangé les fermes que j'ai complètement terminées. J'ai même fait la ferme de Seedoil. Ça, j'ai pu le faire hors caméra. Ici, j'ai fini par trouver un système où ça s'arrête quand il y a assez de liquide partout. En fait, ici, ça va se remplir forcément parce que le liquide peut plus être extrait. Du coup, le Axe Work To Do s'arrête. Donc, ça, j'arrête tout. J'arrête les machines, j'arrête d'alimenter la ferme. Et je fais pareil ici pour le Seed Oil. Et tout ça, ça part. Là, ça en fait parce que c'est loin d'être plein. Ça fait très très peu de Seed Oil, même avec les chestnuts. Hein. C'est incroyable. Ça en fait très peu. C'est pourtant des bons gros arbres. Ils sont bien. Mais je sais pas, ou alors elle a pas assez de courant. Non, parce qu'il n'y en a que deux qui sont mûrs, là. Même pas. Fais pas. Bon, on va laisser faire. Ah non, il peut pas les cueillir assez vite. En fait, je les traite pas assez vite, c'est ça. Ça fait très peu à chaque fois, donc... Ici, pareil, j'ai corrigé les guettes. Parce que quand il n'y avait plus besoin de pétrole, j'arrêtais... En fait, les extracteurs, ben, ça volait partout, les items. En fait, s'il faut arrêter, c'est de mettre des bols. Et j'ai limité... Je mets plus un stack de bols, mais j'en mets qu'une. J'en mets qu'un. Comme ça, pareil pour la sapline. Comme ça s'arrête net de fabriquer tout. À l'instant où il n'y a plus assez de pétrole, ça s'arrête net. Donc ça, c'est bien. Et puis voilà. Donc j'ai le temps de faire des petites choses, mais pas le temps de faire des vidéos. Mais donc je vais faire les recherches tranquillement. Et on se retrouve au prochain épisode pour essayer d'avancer, essayer de commencer à faire la fusion machin là, au milieu. Et puis s'attaquer. Je vais essayer de faire toutes les recherches de. Parce que du coup, c'est dans un onglet de Energistics pour pouvoir, voilà, Essentia Distillation, pouvoir distiller ça et pouvoir l'amener. Bon, j'essaie de m'amuser avec ça. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine. Allez, bye! Ah.